Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de PAX. Merci toujours de suivre les contenus. Aujourd'hui, on ne va pas parler de hardware, mais de software. On va parler même de OS, de Windows 12. Parce que j'ai eu l'info hier soir par mon serveur, par un François. Si vous devez connaître, si vous êtes sur mon serveur, il est là régulièrement. C'est un modérateur du serveur Discord qui me dit « Tiens, est-ce que tu as vu passer cette vidéo ?» Je fais « une vidéo ?» Quoi, Windows 12, c'est juste improbable, c'est pas possible. Je clique dessus, j'ai vu le truc tellement parfait, c'est tellement propre, c'est tellement bien fait que je me suis dit « Il y a quelque chose, c'est pas possible. » On dirait réellement un vrai OS. Est-ce que c'est un OS qui est fait par quelqu'un finalement, mais finalement pas un vrai OS de chez Windows, ou Windows a laissé passer quelque chose pour genre en version bêta, alpha, ce que vous voulez pour essayer. Et je vais vous attirer votre attention parce qu'il y a beaucoup de dangers liés à ça. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai vu et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi y croire. A tout de suite.
Incroyable, hein, super bien fait. Alors moi, j'ai fait énormément de recherches depuis 3 ou 4 ou 5 heures. Je suis sur mon PC en train de chercher mais pourquoi, mais comment, mais où et comment et comment. Et j'ai trouvé effectivement des sites qui proposent ça. Mais qui proposent quoi? Ils vous proposent un lien de téléchargement. C'est sympa un petit lien de téléchargement comme ça. Je peux installer Windows 12.1. Note, vous allez surtout télécharger des bons chevaux de Troie, des films de... Vous aurez bien compris. Vous allez avoir droit à tout. Vous allez surtout avoir du virus. Donc sachez que c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Ce n'est pas vrai. La personne qui a fait ça, il a super bien bossé. Je vais vous mets plein de trucs au fur et à mesure que je vous parle parce qu'on l'a vu partout. C'est une vidéo, c'est des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues. En ce moment, il y a énormément de personnes en train d'essayer de télécharger cet iOS-là. Et sachez qu'ils sont en train de tous se faire avoir les uns après les autres. Donc au moins, j'espère que ceux qui me suivent, ceux dans la communauté, ne faites surtout pas ça parce que je peux vous le dire, c'est du fake, clairement. La personne qui a bossé là-dessus a très bien bossé. Alors pour moi, c'est juste une vidéo. Ça a été fait tout simplement. Quand on voit la souris qui passe dessus, c'est parce qu'en fait, il doit cliquer, ça doit passer genre à la diapo suivante. Mais pour moi, je pense que ça a même été fait avec After Effects de la suite Adobe. J'en serais sûr à 90% plus ou moins. Ça a été fait par ce software-là. Mais clairement, ce n'est pas un vrai OS, je peux vous le garantir. Faites surtout pas cette bêtise-là. Il y a eu énormément de vues, énormément de vidéos, énormément de commentaires. Je veux le lien, 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 je veux le lien. Je vous montrerai, mais il y a des liens, des vidéos où il y a plus de 400 commentaires. Je veux le lien, je veux le lien. Donc, c'est que des gens qui ont cliqué sur un lien. Et effectivement, ils vont se retrouver pas bien du tout après avoir cliqué sur ce lien. Donc, ça va être soit des chevaux de Troie ou en tout cas, ça va bien vous prendre tous vos cookies de connexion sur Internet, vos cookies de PayPal, vos cookies de carte bleue, tout ce que vous voulez, mais tout pour pas être très, très bien. Sachez, et je tiens à dire deux choses, c'est que il est très rare, à part chez Macintosh, de sortir, en tout cas chez Windows, un OS une année après l'autre. Il faut savoir qu'il a à peine un an, le Windows 11, ce serait un petit peu fou que ce soit tout de suite. Windows 11 annonce une sortie pour 2023 ou 2024, je vous le mettrai là exactement. Donc, il y a des sorties qui sont officielles. Donc, si vous voyez que ce n'est pas par Windows, si vous voyez que ce n'est pas par le site de Microsoft, ou que ce ne soit pas une mise à jour, ne le faites pas, ne changez pas d'OS avec un OS que vous ne connaissez pas. Et même un Windows 10, même un Windows 11, et c'est là où j'insiste, parce qu'on peut télécharger des Windows 10 et des Windows 11 à travers d'autres sites que celui de Microsoft. Et il ne faut surtout pas faire ça, parce que vous avez vraiment une chance sur une, c'est pour vous dire, que vous allez choper un OS qui va fonctionner, mais vous allez voir qu'il va être complètement noyé de virus ou noyé de spam ou noyé. Il sera noyé obligatoirement de quelque chose parce que les gens ne sont pas fous et surtout les gens ne font pas ça gratuitement. Leur intérêt à ces gens-là, c'est effectivement d'avoir la main mise sur votre PC. Donc, même un cheval de Troie, donc c'est-à-dire que par exemple, de votre PC, il va pouvoir attaquer d'autres PC ou pouvoir attaquer les serveurs de Windows directement ou directement se servir chez vous de toutes vos informations de connexion, de toutes vos informations de paiement. Et ça, c'est dangereux. Donc, vous voyez, quand vous avez vu un petit peu les images que je vous ai mis précédemment, le truc, il est parfait. On pourrait vraiment y croire. Quand j'ai vu ça hier, il devait être 1h du matin, je me suis dit, c'est vraiment un truc de... Enfin, c'est parfait. J'ai vraiment voulu savoir, mais est-ce que c'est possible, pas possible, comment ça se fait? Et j'ai fait toutes les recherches. Donc, je peux vous dire, ne le faites surtout pas. Moi, j'ai quand même essayé de le faire, mais parce que je l'ai fait sur une machine test qui était liée pas du tout sur un réseau. Il était lié sur un téléphone en 4G, bien verrouillé, avec du VPN, tout ça. Et c'était une machine qui n'était pas du tout en réseau. Donc, j'ai pu voir tout ce que j'ai téléchargé. Et je peux vous assurer de pas le faire. Donc, voilà, ne le faites surtout pas. J'ai fait donc le test en machine fermée. Si vous êtes vous y connaissez un petit peu, si vous faites ça dans un environnement fermé, faites-le à ce moment-là, mais juste pour essayer. Mais sinon, vous avez amusé même pas à le faire. Moi, je vous conseille directement, clairement, ne le faites pas. Voilà.
mais sachez que ça va tourner de plus en plus. Je pense que je ne sais pas si cette vidéo va être beaucoup vue ou pas beaucoup vue, mais en tout cas, bah, partagez-la à vos proches parce que là, vraiment, je pense qu'il y aura un gros souci. Vous verrez, quand j'ai vu en moins de 48 heures le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de gens qui cherchent bah, du coup ce lien pour aller chercher ces ISO-là, ce Windows-là, parce qu'en fait, c'est tellement bien fait visuellement, et vu dans la vidéo, c'est tellement bien fait qu'on se dit « Ah, bah, c'est génial, je le veux, je le veux, je le veux. » Eh bien, surtout pas. Voilà, donc c'était une petite vidéo, bah, comme vous avez vu, qui ne devait pas sortir. Normalement, il y a toujours la vidéo qui va sortir bah, pour dimanche, mais j'ai quand même voulu vous faire celle-ci. Bah, je vous dis, c'est aussi grâce donc, à François, quelqu'un qui, sur mon Discord, il m'a dit « Tiens, regarde ça. » Et je me suis dit « Ça, il faut absolument le partager à la communauté. » Protégez-vous, c'est clair. En plus, là, ça ne pardonnera pas, je vous le garantis. Celui-là, il ne pardonnera pas. Ceux-là, ils ne pardonneront pas. Donc, ne faites pas cette bêtise-là. Si vous voyez ça maintenant sur Internet ou sur YouTube, vous êtes prévenus. Ne surtout pas télécharger ce Windows 12.1 parce qu'il n'existe tout simplement pas du tout. Je vous dis à dimanche et puis je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao, ciao.